10 heures passées de quelques secondes seulement dans la belle ville de Zoétélé, mesdames et messieurs, c'est la même heure qui sonne du côté de Ngalbidié. Nous sommes du côté de Garoua cette fois-là, ces deux extrémités de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Le nord et le sud sont salués ce matin quand nous nous retrouvons ensemble une fois encore pour votre sortie matinale de tous les jours sur Info TV lorsqu'il est 10 heures. Il s'agit naturellement de l'émission Espace Miné jusqu'à 11h05. 52 minutes, le temps de voir ce que disent les unes du jour, le temps aussi de prendre une dénonciation, également le temps de passer au pain fin, la thématique centrale à arrêter comme tous les jours. Ce matin, qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet? Nous parlerons bien naturellement de ce qui revient comme mythe, c'est-à-dire les paroles de celui-là qui est à la tête du Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, à la descente de l'avion. C'était en 2004, le 9 juin, un jour comme celui-ci. Cela fait exactement 19 ans. Il dit, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Je leur donne rendez-vous d'ici 20 ans. Paraphraser justement cette déclaration, on a beaucoup à se dire, beaucoup à voir, beaucoup à disséquer dans la vie du Cameroun et même de l'homme. Mesdames et messieurs, ça sera l'occasion pour nous d'en parler dans le cadre de cette émission. Bien sûr, soyez les bienvenus, vous qui nous regardez au-delà de notre très cher et beau continent, vous qui êtes partout et même dans les planètes au-delà de celle Terre. Soyez les bienvenus à cette émission. Nous serons ensemble avec nos panélistes habituels qui répondent présents, mais ça ne sera pas comme à l'accoutumée. Nous aurons bien naturellement la présence du juriste, l'homme de la dénonciation, Bernardo Basson, qui est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour Bernardo. Bonjour à vous Jean-Bruno, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent tous les matins pour ce programme culte. Je salue une fois de plus toutes les personnes qui me font la sympathie de me témoigner leur amitié. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Nous sommes le 9 du mois de juin aujourd'hui et nous célébrons la Journée internationale des archives. Vous savez, l'histoire a ceci de particulier que pour qu'elle puisse être rapportée aux générations futures, il faut qu'elle soit archivée. Donc, il est important de mesurer la portée, l'importance des archives dans une civilisation. Quel que soit ce qui peut arriver, certaines personnes ont pensé dans les temps anciens qu'il fallait peut-être penser à graver des choses. D'autres les ont conservées par la tradition orale. Mmh. Et on a pu constater à mesure que le temps a passé qu'il est important de conserver beaucoup de choses précieuses par écrit. Parce qu'on a défini l'histoire, du moins pour les Occidentaux, comme la connaissance du passé basée sur les écrits. Mmh. Donc les archives aujourd'hui restent fondamentalement utiles dans la vie d'une nation, la vie d'un pays, afin que les générations futures puissent se réconcilier avec les temps anciens. C'est très important. La journée internationale des archives. Nous voulons bien sûr saluer ceux qui ont eu l'initiative parce que c'est à base de cela que nous reconnaissons également qui nous sommes. Parce que quand déjà, tu ne sais pas d'où tu viens, ce n'est pas aussi aisé de savoir qui tu es et peut-être même aussi où tu vas. Très important de le rappeler ce jour. Merci. À côté de vous, peut-être en face de vous, nous avons un jeune Camerounais. C'est un doctorant en droit à l'université de Yaoundé. Il est également, pour le dire, conseiller municipal dans une commune du Cameroun. Il se nomme, lui, Mathieu Tenlep, qui nous fait l'honneur ce matin pour la première fois dans le cadre de l'émission Espace de partager le moment avec nous. Soyez le bienvenu et bonjour. Bonjour à vous, monsieur Jean-Bruno Ifangono. Bonjour à vous, millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'entrer dans ce magnifique studio. La dernière fois, j'étais alors en campagne. Ce studio m'a ouvert les portes pour dévoiler mon programme en tant que candidat à une élection locale. Dieu merci. Je suis élu. Vous comprenez bien que depuis ce jour, les responsabilités, les charges font en sorte que je n'ai pas le privilège de tout le temps venir ici, mais je découvre ce programme pour la première fois qui est très écouté et qui a une réputation assez haute. Je vous dis merci de l'invitation. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer mes populations du côté de Boudmakak et en général d'Union Ekélé. Et je fais un salut très particulier à un aîné, le secrétaire général du ministère de la Santé, le professeur Louis-Richard Diop, qui a un travail titanesque de ce côté-là. Et je fais un coucou à un camarade du parti, Laurent Bassalal. Merci. Eh bien, c'est pour rectifier, hein, c'est plutôt l'université de Douala. De Douala, voilà. Effectivement. Et vous êtes l'un des plus jeunes, peut-être même le plus jeune conseiller municipal au Cameroun.
Monsieur Jean-Bruno Ifangono, ce débat a eu lieu ici dans vos studios. Et c'est dans vos studios qu'il avait finalement été acté que j'ai été élu, j'avais 23 ans et 10 mois. Et je devenais à cette époque le plus jeune élu du Cameroun. Je pense que dans la lignée, il y a un peu le Nicolas Sarkozy que j'ai essayé un peu d'imiter. Et effectivement, je suis doctorat à l'université de Douala, mais ayant fait mon cursus jusqu'au niveau du master à l'université de Yaoundé, je me sens aussi d'appartenance de cette université-là. Bien, soyez les bienvenus. À côté de vous, c'est un homme qui nous vient du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un habitué de ces plateaux, notamment Espace Miné, bien sûr aussi l'émission Le Grand Soir. Il s'agit naturellement de Ferdinand Kungu. Bonjour. Bonjour Jean-Benoît, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être ici à nouveau. J'ai été un peu absent pendant un temps pour des raisons pas évidentes. C'est ce qu'on appelle les contraintes qu'on subit. Je suis très content d'être là. J'espère qu'on va satisfaire la curiosité et l'intellect des centaines de millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, puisque vous êtes fait déjà partie d'une des chaînes majeures, leaders de l'espace média Cameroun, qui en plus est dans le bouquet. Sans concurrence, je ne vais pas citer le propriétaire du bouquet. Donc, je sais qu'on va nous regarder à travers le monde. Je suis content d'être là. Soyez-en rassurés, nous sommes regardés même depuis la planète Mars. Ça, c'est pour vous dire combien Info TV est déjà montée. Ça, c'est depuis 5 ans, parce que nous sommes la première chaîne au Cameroun à naître et monter directement sur le bouquet. Et ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. C'est vrai qu'on attend encore beaucoup de soutien venant de vous. Quand je parle de vous, je parle de tout le monde. Ça me fait justement avoir le temps d'accueillir en ce moment même celui-là qui va représenter le PCRN. Il est député suppléant, mais il m'a confirmé que c'est désormais bon dans leur maison, parce que les députés suppléants peuvent déjà passer à la caisse. Vous savez déjà de qui je parle, mesdames et messieurs. Je parle du docteur John Nyobe qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur, bonjour. Bonjour Jean-Prenon. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Cameroun. Vous avez eu le mot juste. Les députés suppléants, effectivement, c'est un déclic pour faire une passe aux institutions parlementaires, c'est-à-dire que la chambre basse et la chambre haute, pour que, effectivement, ces rois sans trône ne soient plus ce qu'on appelle les faire-valoir dans nos institutions, parce que, souvenez-vous, c'est un ticket gagnant, suppléant titulaire, je passe sous le contrôle de mon aîné, Kungu, que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau, mais ces élus de la nation disparaissent curieusement dans les règlements intérieurs de nos institutions parlementaires. Ce n'est pas bien. Et il fallait corriger, il fallait rectifier le tir. L'honorable Cabral Ibi a juste démontré une fois de plus qu'il est en avance de son temps. D'accord. Et qu'il effectivement fait un clin d'œil en haut lieu pour que dans les prochaines session parlementaire, pourquoi pas, ce statut du parlementaire soit inscrit à l'ordre du jour de la conférence des présidents. Merci. Et finalement, et c'est désormais le cas chez vous, dans l'espoir que les autres prennent justement aussi le taureau par les cornes, peut-être, parce que quand c'est bien chez le voisin, ce n'est pas interdit de copier, sauf seulement s'ils vont démentir ce qui semble être appréciable aujourd'hui. Merci d'accepter notre invitation et d'être parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, juste une petite transition, le temps d'accueillir l'homme de la presse. La revue de la presse, c'est une affaire que manipule et dont s'occupe Théophile Vianney-Biya depuis Bellurette. Et ce matin encore, il répond présent parce que la confirmation est en fait depuis hier. Bonjour Vianney.
Merci, bonjour Jean-Bruno et Fangono. Je vous appelle affectueusement JBE. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de cette revue de presse. Voilà, JNB. Exactement, ça c'est pour ceux qui manipulent avec Maestria la langue de Shakespeare. Ah. Donc c'est un plaisir d'être là. Bonjour à votre panel qui est assez riche et impressionnant ce matin. Et bonjour à vos fidèles téléspectatrices et vos téléspectateurs les plus fidèles. Les plus fidèles, c'est bien de le noter parce que à travers le monde, on nous regarde. Il y a certains qui nous regardent pas en direct, je suis obligé de le dire comme ça, mais qui, parce qu'étant très occupés, nous regardent sur d'autres plateformes, notamment Facebook, YouTube, et qui, même lorsqu'il est minuit, vous appellent et vous posent des tas de questions. C'est à vous de réagir et de répondre. Non, ce n'est qu'une rediffusion. Exactement. Nous passons tous les jours à 10h et oui. Oui, nous sommes proche de nos téléspectateurs et on fait un max d'efforts pour être plus proche des téléspectateurs. Donc, on sort des médias habituels que nous connaissons très bien pour essayer de nous rapprocher davantage. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans différentes plateformes, comme vous l'avez martelé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui sont en train de vouloir sortir de la maison, ils peuvent poursuivre l'émission via Facebook. Nous avons une adresse et là-bas, tous nos directs sont en ligne. Et actualisé. Merci d'être parmi nous. Alors, Théophile Vianney-Biya, TVB, que disent les presse ce matin? Jean-Louis Béfangon, les journaux qui sont disponibles en kiosque nous amènent du côté du Parlement. Mais avant d'aller au Parlement, nous prenons d'abord ce journal qui parle donc de ce poisson à problème du côté du port autonome de Douala. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin qui revient sur la sécurité sanitaire des consommateurs. Contrôle systématique des cargaisons de Congelcam. C'est une instruction du ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga Tangana, au terme d'une concertation ce 7 juin à Yaoundé avec le promoteur de l'entreprise et la régie du terminal à conteneurs du port de Douala, Bonabéry, entre autres. On revient donc sur cette instruction ce matin. Le ministre du Commerce qui voudrait donc qu'il y ait un contrôle systématique des cargaisons de Congelcam du côté du port autonome de Douala. Laissons ce journal et laissons cette actualité pour parler à présent du Parlement. Discours de haine, kidnapping, le Parlement condamne. Cette condamnation est présentée ce matin en grande une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui revient plus en détail de la page 4 à la page 5 en nous faisant savoir ce jour que la deuxième session ordinaire de l'année législative 2023 s'est ouverte hier au palais des congrès de Yaoundé. Au Sénat, le président Marcel Niat Ndjifendji a appelé à des mesures fortes du gouvernement contre des pourfendeurs de l'unité nationale. Du côté de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril a exprimé sa colère contre les enlèvements suivis de demandes de rançon dans les régions en crise. De la page 4 à la page 5, on en parle donc et on revient sur les sujets qui sont naturellement sur la table des députés et sénateurs pour cette session du mois de juin. La nouvelle expression parle également de cette session du mois de juin et en page 5, le journal revient sur la crise anglophone. Cavaille parle encore pour la forme. Le président de l'Assemblée nationale condamne les actes des sécessionnistes et interpelle le gouvernement sur la multiplication des actes des cas de choléra, une sortie rayée par certains députés, la représentation nationale. On en parle ce matin et on revient donc sur cette actualité avec la sortie de Cavaille concernant la crise anglophone lors de l'ouverture de la session du mois de juin. 9 juin 1990, quand Foncha démissionna, on revient donc nous faire savoir ce jour que l'ancien premier ministre du Cameroun britannique et vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avait adressé sa lettre à Paul Biya pour lui signifier ses déceptions et les dérives du système. L'avenir lui donne raison, d'après l'information qui est présentée en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Et si on entrait du côté du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en parlant de Maurice Kamto ce matin, en page 6 et 7, climat sociopolitique, Kamto dénonce encore. Cette dénonciation est présentée de la page 6 à la page 7. Mutation reste également du côté du MRC, le journal Mutation de Georges Alain Boyomoti. En piète une, MRC, l'âge de Kamto suscite des braises. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité. Et Bolova, Famandongo en supermer. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Bolova? Le journal Mutation nous fait savoir qu'à la suite du préfet de l'Anvila, le ministre d'État s'est vertement opposé devant une foule de commerçants à une mesure du maire de la ville visant à remettre de l'ordre dans les marchés. On en parle ce matin et on nous présente donc Famandongo comme étant supermer du côté des Bolova. UV
2023. La CAF réhabilite le Gabon. Cette actualité est présentée en page 12 du journal Mutation. C'est d'ailleurs la grande une du quotidien d'Aman Mana, le journal Le Jour, qui consacre sa grande une au sport, plus précisément à la CAN U23. Le Cameroun ne disputera pas la compétition. C'est une décision du jury d'appel de la CAF rendue le 7 juin dernier, qualifiant à nouveau le Gabon pour ce rendez-vous qui se tiendra au Maroc du 24 juin au 8 juillet prochain. On revient donc sur cette actualité en page 9. Bambutos FC, on nous fait savoir que Clément Aroga s'en va. L'ancien sélectionneur des Lions A' n'a pas renouvelé son contrat avec les Mangwa Boys. L'actualité est à lire en page 10 du journal Le Jour. Restons en sport avec l'œil du Sahel de Gibaï Gatama. Le journal L'œil du Sahel s'intéresse au sport scolaire. Fenasco A, le Minsec, peu satisfait des infrastructures dans le Nord. Cette actualité est traitée en page 6. On revient donc sur la visite de travail effectuée par Pauline Alova Lyonga du côté de la région du Nord. Université de Ngaoundéré, Ufi Chinje pardonne au contrôleur financier, pardonnez-moi ici entre guillemets, par le journal L'œil du Sahel. Restons dans les universités et allons du côté de l'université de Yaoundé 1 avec le journal Le Pélican qui revient donc sur ce lancement officiel du triple congrès des professionnels de santé. L'amphithéâtre 700 de la FMSB a abrité le 7 juin 2023 la cérémonie de lancement du triple congrès des personnels de santé. Ce congrès s'achèvera ce jour, 9 juin 2023. Santé publique, on en parle toujours en grande une de ce journal. Le MinSanté pense les plaies des personnels médicaux. Le ministre de la Santé publique, Manaoud Amalachi, est allé à la rencontre des personnels du centre des urgences de Yaoundé et de l'hôpital Jamo dans la journée d'hier. On revient donc sur ce dialogue entre le ministre Manaoud Amalachi et les personnels de santé en grève depuis quelques jours. Santé Actu reste également sur cette rencontre et le journal Santé Actu présente l'actualité en grande une. Revendications sociales au Curie et à Jamo, le MinSanté sur le front de l'apaisement. C'est ce que nous dit le journal de Rosalie Adonis Bellinga qui est disponible en kiosque ce 9 juin 2023 et qui revient donc sur cette actualité. Éco-santé n'est pas en reste. Le journal de Joseph Mbengboum qui reste fidèle à sa ligne éditoriale parle donc de cette grève des personnels de santé. Manaoud avait désamorcé la bombe. On revient sur cette rencontre tenue donc ici même à Yaoundé entre le ministre de la Santé publique Manaoud Amalachi ainsi que ses employés du centre hospitalier Université de Yaoundé, du centre des urgences de Yaoundé, de l'hôpital général de Yaoundé et même de l'hôpital Jamo. On en parle ce matin et on revient donc sur ce qui s'est dit entre Manaoud Amalachi et ses personnels de santé qui sont aux abois depuis quelques temps. Le quotidien de Jules Brice Ngaba nous amène à présent du côté de l'Est, la région de l'Est qui dit donc merci à Paul Biya pour la nomination de Blaise Moussa au poste de directeur général de la Camwater. On revient donc sur cette mobilisation de la région de l'Est. Le décret de Freddy Onana parle également de cette même actualité. Événement, le soleil levant célèbre son rayon lumineux. Les élites intérieures et extérieures, les forces vives et les populations de la région de l'Est sont réunies ce samedi 10 juin à la place des fêtes de Berthois au cours d'un méga meeting de remerciements et d'expression de profonde gratitude au président de la République Paul Biya pour la nomination de Blaise Moussa, fils de la région du soleil levant au poste de directeur général de la Camwater. On en parle ce matin et on revient donc sur cette mobilisation. Mehdi Action reste au Cameroun et parle de la force de l'expérience. 9 juin 2004, 9 juin 2023. On revient donc sur cette déclaration de Paul Biya en Simaline. Le 9 juin, lorsqu'il descendait de l'avion, il était 16h30. Des gens s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Le journal revient donc sur la force de l'expérience du chef de l'État Paul Biya. C'est la grande une du journal Média Action qui parle également du ministre des Enseignements secondaires, Minesek. Cet exemple qui ne fait pas école pour la jeunesse, on en parle ce matin avec le journal Média Action. Propre de la Nation, le magazine qui reste dans l'actualité concernant les initiatives de lutte contre la corruption du secteur public, nous amène à présent du côté des aéroports du Cameroun. On nous fait savoir ce matin que les aéroports du Cameroun se mobilisent pour une lutte sans merci contre la corruption. C'est la grande une de ce magazine qui parle donc de cette actualité. ANOR, l'agence des normes et de la qualité, met en œuvre son plan de management des risques de corruption. Le journal revient également avec cette actualité ce jour en oreillette. Le quotidien Econews de Pascal Dibamou parle du plan d'urgence du secteur de l'électricité. L'État recherche 240 milliards francs CFA. C'est l'actualité qui est à lire dans ce journal. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal L'économie de Thierry Ekouti et qui parle des sanctions de Camtel, MTN, Orange et Nextel. Le recours
recouvrement et la répartition et la réparation des amendes expliquées par bel et bien le directeur des licences de la concurrence et de l'interconnexion à l'Agence de régulation des télécommunications en la personne de Jean-Christian Naouna. On en parle ce matin avec le journal L'Économie de Thierry Ekouti. C'est avec cette actualité concernant les sanctions de Camtel, MTN, Orange et Nextel que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce vendredi 9 juin 2023. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte à la maison, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un français facilement collectées et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indubitable. C'est la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Jean-Bruno Efangono, merci au panel, merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est nous qui vous disons merci, le très inamovible TVB, pour cette brillante revue de presse. Vous l'avez fait tout au long de cette semaine. Et voilà qu'un week-end commence. Oui. Nous espérons qu'il sera très agréable pour vous. Mais avant de partir, vous pouvez quand même nous rassurer de ce que vous avez souvent aussi l'habitude de faire sur les propositions. Du traitement de l'information que vous avez pu arrêter pendant la conférence de rédaction de ce matin. Il faut dire que pour le 19h et le 20h ce soir, nous allons servir pas mal d'informations aux téléspectateurs fidèles d'Info TV. Alors ce soir, on va s'intéresser au départ en vacances. On va faire un tour du côté des agences de voyage avec les on va essayer de toucher du doigt ici l'ambiance qui règne du côté des agences de voyage avec les dispositions qui sont prises par les chefs d'agence, par les responsables et promoteurs de ces agences pour assurer une certaine sécurité et une certaine sérénité aux passagers qui empruntent naturellement ces cars de transport en commun pour aller d'un point à un autre. Il faut dire que pendant cette période, il y a de l'affluence. Comment est-ce que ces promoteurs des agences de voyage gèrent ces affluences en cette période? On va toucher du doigt cette réalité. On va également revenir sur cette autre actualité pour parler ici de la célébration de la Journée internationale des archives et essayer de nous intéresser à la numérisation des archives. Parce que de plus en plus, on parle des archives numériques. On va essayer de voir à quel niveau se situe le Cameroun dans le cadre de la numérisation des archives. Voilà entre autres sujets que nous allons donc retrouver au 19h et 20h ce soir. Sans oublier qu'en sport, on va revenir sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec le Gabon qui a été rappelé pour prendre part à la CAN U23. On se pose des questions sur la situation du Cameroun. On sait que la Fédération Camerounaise de Football s'apprête à faire appel du côté du tribunal arbitral du sport, du TAS. On va donc essayer de nous intéresser à cette actualité-là également pour donner plus d'amples informations à nos téléspectateurs. Ce soir, au 19h et au 20h, le rendez-vous est pris. De quoi ne pas bouger d'un pouce, parce que c'est du costaud. Exact. Merci à vous, Théo et Vévé. Je vous en prie. Et je l'ai dit, tout notre souhait est que vous passez un excellent week-end. Merci. Dans le désir de vous retrouver avec plaisir lundi prochain. Merci. On va se retrouver lundi prochain, certainement, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Je vous en prie. Nous remercions à l'endroit de TVB, le lion du micro, pour cette brillante revue de presse qu'il vient de nous livrer il y a quelques instants. Ça nous donne l'occasion de venir une fois de plus sur cette table pour essayer de comprendre certaines lignes, notamment celle tracée par le Pélican, Santé Actu et aussi Éco-Santé. Vous imaginez que je fais allusion là à l'information relative à la descente du ministre de la Santé et publique Manaouda Malachi qui est allé rencontrer justement les infirmiers grévistes pour ce qui est du Curie et même des autres centres hospitaliers. Je commence pour voir clair sur cette affaire parce que vous vous rappelez, ça fait relativement une semaine et demie, on parlait de cette actualité quand cette grève commençait et ça fait pratiquement aussi deux semaines, mais c'est hier que le ministre de la Santé est allé à la rencontre des grévistes. Comment vous analysez cette actualité? Très cher docteur Niobe. Oui, Jean-Bruno, je pense que on les appelle communément les healthcare workers, le personnel médico-sanitaire, qui n'échappe pas effectivement aux malformations congénitales de tous les corps sociaux, c'est-à-dire les contractuels qui aimeraient que l'on, effectivement, qu'ils passent au grade
de fonctionnaires. Et bien entendu, dans la batterie de revendications, les conditions de travail dans ce milieu qui nous est très cher, qu'on appelle la santé publique au Cameroun. N'oublions pas, comme vous avez souligné tout à l'heure, nous étions en train de décrypter l'actualité sur un cas, un fait social qui a défrayé la chronique du côté de l'hôpital général. Nous sommes dans un landerneau des loups, dans ce secteur de la santé. Et nous revenons sur les terres, que l'ordre revienne avec le ministre de la Santé qui a pris le bâton de commandement pour pouvoir ramener l'ordre dans ce secteur. Merci. Vous savez, aujourd'hui, selon les catégories qui sont assignées à ces hôpitaux, les hôpitaux de première catégorie, les deuxième et troisième catégorie, c'est-à-dire que vous avez les hôpitaux généraux, des hôpitaux spécialisés qu'on appelle gynéco-obstétriques, vous avez les hôpitaux centraux, vous avez les hôpitaux régionaux, et plus bas, vous avez les CEMA et tout ce qu'on retrouve dans nos villages. Je dois vous dire que même au niveau des CEMA, le code général de la décentralisation qui a couché, je ne vais pas dire la montagne a couché d'une souris, après le grand dialogue de 2019, nous a appris que ce sont les communes qui devraient gérer le personnel médico-sanitaire au niveau des communes. On appelle les CEMA. Mmh. Et que les conseils régionaux devraient gérer, j'allais dire, les hôpitaux régionaux et départementaux. Mais il se trouve que le transfert de compétences n'étant pas effectif à ce niveau, les gens continuent à se piétiner et l'hyper-centralisation étouffe. Et ça fait que d'accord, ça ne peut que impacter négativement sur les conditions de ce personnel qui a vocation à prendre à préserver soin, des vies. Merci okay. beaucoup. C'est vrai que je n'avais pas voulu que nous ayons nous restions assez longtemps sur cette approche, mais c'est la politique du programme. Vous avez 10 secondes pour dire un mot sur cette actualité, Ferdinand Kungu. Bon, disons qu'on est là en face des gens qui revendiquent un droit, leur droit, qui revendiquent des conditions meilleures, surtout qu'ils sont dans un secteur névralgique qu'est la santé. Et le droit à la grève est bien reconnu au Cameroun, surtout quand on n'est pas à l'aise, quand on n'est pas bien traité, on a droit de gréver. Je crois que le ministère, qui est ici le représentant de l'État, a pris le taureau à bras. Donc le ministre est allé rencontrer les grévistes. Mais je crois qu'il y a, il faut résoudre ce problème par deux ou trois approches. C'est-à-dire que je vais être un peu long. Non, je ne peux pas le permettre. C'est une question de temps. Je vais faire vite. Oui. Il faut résoudre ce problème par deux ou trois approches. Un, l'administration, la gestion des formations sanitaires. Deux. C'est-à-dire que doivent administrer. On a compris. Deux. Des facilités financières accordées en plus aux formations sanitaires pour gérer ce personnel qui est local, parce qu'il y a deux types de personnel dans ces hôpitaux. Vous avez le personnel qui est fonctionnaire et vous avez le personnel qui est recruté localement. Merci. Trois. Ah, il y a une troisième approche. Transférer entièrement les compétences qui reviennent aux communes, puisqu'on a passé la gestion administrative. Merci. De ces centres, de ces centres hospitaliers aux mairies. Merci beaucoup. Bernardo, un mot ? Moi, je trouve superfétatoire la descente du ministre, hein, parce que les grévistes ont envoyé suffisamment de courriers au ministère, se sont longuement exprimés sur les raisons de leur malaise,
et il n'y avait qu'à trouver des solutions en amont afin que la grève soit levée, c'est-à-dire mettre à disposition tout ce qu'il faudrait pour que la situation soit résorbée. Et moi, je ne sais pas pourquoi le ministre va forcément descendre pour aller parler avec des gens, puisqu'il y a des solutions à apporter à un tel problème. Pour moi, une telle descente est complètement surabondante. Oui. Ça, c'est mon avis. Mathieu. Oui, très rapidement, M. Jean-Bruno, moi, j'aimerais réagir pour saluer deux choses dans cette actualité. Un, le caractère républicain d'abord des grévistes, parce qu'on aurait imaginé dans d'autres situations où ils ne seront pas prévalus du droit de grève et seront allés faire autre chose. Donc, ils sont restés républicains et ont fait valoir leur droit de grève. Deux, la promptitude de la descente du ministre. Nous sommes dans une situation sanitaire. Effectivement, nous sommes dans une situation sanitaire où il y a un chef de centre, il y a un délégué régional. D'accord. Donc, il a eu toute la latitude de les laisser gérer le problème avant de descendre. Okay. C'est rare et peut-être c'est son habitude à lui, il faut le saluer, de toujours être proche des personnels pour calmer la situation. Là où je ne veux pas être très rapidement d'accord en deux secondes, c'est quand on dit que le code général de la décentralisation a accouché d'une souris. Moi, en tant qu'acteur, croyez bien que je ne peux pas laisser passer ça honorable. À titre personnel, moi, dans ma commune, j'ai assisté à plusieurs réunions déjà entre notre commune et le personnel sanitaire du CMA de Boulmaka. Peut-être il y a des améliorations à dire, mais dire que ça a accouché d'une souris. Merci, mesdames et messieurs. Nous prenons la transition qui annonce la dénonciation du jour. Et vous le savez, c'est une affaire que mène de main de maître Bernardo Basson que nous recevons juste après cette virgule. La dénonciation du jour, je l'ai dit, c'est avec vous, Bernardo Basson. On dénonce quoi ce matin? Bon, ce matin, on dénonce un mariage qui est sur le point de voler en éclats du fait d'une intrusion d'une tierce personne dans la relation. La réalité, c'est une situation assez complexe qui demande que les démineurs s'y penchent afin de conseiller le plaignant, entre guillemets. C'est un jeune homme qui a rencontré une jeune dame naturellement et elle est fille, entre guillemets, c'est-à-dire fille, parce que Dieu donne souvent aux hommes, d'un pasteur. Et à mesure que le temps a passé, le jeune homme et la jeune dame ont avancé dans la construction de la relation. Sauf que depuis le début du mariage jusqu'ici, le pasteur est toujours au milieu de la relation. Le jeune homme a pensé qu'il fallait épouser la dame. Il l'a fait et il a respecté les canons. C'est-à-dire pas de rapport avant le mariage. Et puis il l'a épousée et c'était un simple commerçant. Mais son commerce a évolué, il a pu acheter un terrain, il a pu construire une maison, il a pu construire d'autres petits studios pour avoir des revenus plus ou moins stables. Sauf que dans son mariage, sa femme ne l'écoute pas. Elle n'écoute que le pasteur. Chaque chose qu'il lui dit, elle va rapporter au pasteur. Chaque entreprise qu'il décide de mener, elle va demander l'avis du pasteur. Du coup, et lorsque il y a des moments où il doit aller en intimité, si jamais peut-être à l'église il y a eu un souci, elle fait 2 mois sans dormir avec son mari. Bon, quand il dormir, on se comprend, c'est-à-dire sans avoir des liens relativement suffisamment intimes avec son mari. Et ce jeune homme se plaint suffisamment parce qu'il effectue des tâches tellement rudes au quotidien qu'il n'a même pas le temps d'aller parfois regarder la voisine d'à côté ou la sœur d'à côté pour faire ce que certains hommes font souvent. Bon, peut-être il n'est pas un sucre national comme Bernardo, mais bon, vous voyez que c'est un peu compliqué pour lui. Ça ne veut pas dire que je suis infidèle, je n'ai pas dit ça. Donc, je n'ai pas dit que je suis infidèle. Donc, Bernardo, nous vous écoutons rigoureusement dans la dénonciation. Si vous voulez vous dénoncer vous-même, c'est pas bon, le cœur n'est pas bien. Donc, ce jeune homme aimerait bien avoir notre avis et nos conseils sur la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Son mariage ne tient plus, sa femme et lui ne dialoguent plus. Le pasteur est plus important que lui. Lui qui est, entre guillemets, le père de la fille, est plus important que lui dans son ménage. Donc, il aimerait avoir notre avis et nos conseils. Voilà encore une autre situation. Elle s'avère lamentable parce qu'on parle d'un couple qui semble voler aux abois après beaucoup d'années de mariage. 8 ans. Il semblerait que le courant ne passe plus. Et la cause première serait le géniteur. Il n'est pas son géniteur. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit une enfant donnée comme ce que Dieu donne aux hommes, c'est-à-dire une jeune fille qu'il a choisi d'aider dans la vie et qui est devenue sa fille. Voilà. Nous, heureusement que nous avons des démineurs qui savent bien creuser, qui peuvent répondre profondément à cette interrogation. Je commence par Ferdinand Kungu. Vous avez suivi la dénonciation de ce matin en intégralité avec une attention soutenue. Qu'est-ce qu'on dit quand on a un problème comme celui-ci devant soi? Je crois qu'il y a plusieurs intrigues dans l'affaire.
La première intrigue, c'est la relation un peu trop soutenue entre le pasteur qui a adopté la fille, on peut dire que c'est une adoption, C'est le cas. et la fille. Surtout quand il n'y a pas de lien de sang. Donc je crois qu'il faut creuser un peu sur le type de relation qu'ils ont. S'il a autant d'influence sur la fille, est-ce vraiment l'influence d'un parent qui a joué le rôle de père, en espérant que c'est le cas ici, à un moment, pour la fille, parce que le premier réflexe et les sentiments d'un parent adoptif ou biologique, c'est accompagner le bonheur de son enfant. Et voir sa fille mariée, c'est un accomplissement chez les parents. Parce que quand elle n'arrive pas à se marier, le parent a l'impression que quelque chose n'a pas marché quelque part. Et là, dans le cas d'espèce, même partant du fait que le pasteur serait, je dis bien serait, un parent adoptif, sa fille s'est mariée à un jeune homme qui n'est pas le dernier des Camerounais, qui d'ailleurs est dynamique dans sa vie, puisque son évolution nous a été suffisamment racontée par Bernard. Donc, il devrait plutôt être heureux en tant que parent adoptif. Maintenant, quand il y a cette influence et cette intrusion dans le couple, au point où la fille obéit plus à son père adoptif, au point parfois de vider le foyer, vider entre guillemets, pour aller passer du temps chez le pasteur, et que le jeune homme est obligé tout le temps de revenir négocier, je crois qu'il faut creuser un peu sur le type de relation que le pasteur aurait avec la fille, qui n'a pas un lien de sang avec lui. Je parle, nous sommes à la télé, je ne veux pas rentrer. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du jeune homme, c'est un monsieur qui est dans une situation très délicate. Il aime sa femme. Il a forcément construit un ensemble de choses autour de sa femme, dont sa femme est la pièce maîtresse de son puzzle, le joker. Lui enlever cette pièce-là, évidemment, ça va impacter sur sa vie, sur son avenir et sur son devenir. Maintenant, comment est-ce qu'il gère l'influence néfaste? Parce que au point où elle quitte le foyer pour aller pa passer 2 mois, ça devient une influence néfaste. Aucun parent, à tort ou à raison, ne va retenir sa fille chez lui. Non, elle reste dans le foyer. Elle ne va pas C'est 2 mois habiter. sans consommation de la femme. Voilà, ces 2 mois sans ces C'est juristes appellent la consommation du mariage. plus grave encore. Oui. C'est plus grave encore. Ça veut dire que la consommation du mariage est un élément essentiel du mariage. C'est d'ailleurs un objet, qui ça peut servir de motif. C'est même ça là-bas peut, qu'il y a le succès. ça va servir de motif au divorce. C'est-à-dire que Ouais. c'est un devoir conjugal, comme vous dites. Donc, à partir de cet instant, est-ce que ce trio est sain? Quand je parle de trio, je parle du pasteur, de la fille qui serait sa fille et du monsieur qui serait le mari. Voilà encore une interrogation. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un parmi les trois, je vais dire quelque chose aux deux, parce que la fille, Je ne vous écoute, forcément, oui, je peux dire quelque chose aux deux. Vous allez prodiguer votre conseil tout à l'heure. Le temps pour les autres est de donner aussi la lecture sur l'affaire. Je passe la parole au docteur Niobe. Je ne vais plus revenir sur ce qu'a bien fait Bernardo de nous dire mot à mot et avec des précisions sa dénonciation du jour. Oui, Jean-Bruno, je dois vous dire que le droit qui est applicable au Cameroun, qu'on appelle le Code civil camerounais, consacre ce qu'on appelle les obligations au mariage entre époux. Parmi ces obligations, il y a ce qu'on appelle l'obligation charnelle, qui est d'ailleurs une cause de divorce. On appelle les valeurs intrinsèques, les animalcules intrinsèques, qui sont livrés à l'intime conviction du juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, entre époux, il est constaté, après 2 mois, que le mariage n'est pas consommé, ce qu'on dit trivialement, ça veut dire qu'il y a une panne de roulement dans le mariage qui peut même effectivement nous amener vers le divorce. Je dois vous interpeller sur quelque chose. Le doyen Jean Carbonnier, éminemment juriste, l'un de nos grands maîtres livresques, disait que le droit de la famille est éminemment pathologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Vous allez dans les cours chaque jour. Quand vous voulez, quand vous faites une infraction, et que le procureur ou le président du tribunal peut s'auto-saisir. Ce n'est pas le cas avec le droit de la famille. Le droit de la famille, il faudrait que quelqu'un qui a l'intérêt, d'agir, c'est-à-dire qu'un membre de la famille, puisse se plaindre au tribunal pour que la société qui est représentée par le tribunal récupère l'affaire. Si on peut faire effectivement une passe aux médias, comme le très brillantissime copanéliste est venu faire la dénonciation, même les médias peuvent traiter de ce genre d'affaires pour prodiguer les conseils. Alors, vous avez bien fait de dire qu'il y a un loup dans cette bergerie qu'on appelle le pasteur. Ah, le pasteur devient le loup directement. Voilà. Okay. Et quelqu'un disait dans votre plateau la dernière fois qu'il souhaite de tous ses vœux que dans le prochain remaniement ministériel, on ait un ministère de l'exorcisation de nos mentalités. Parce que cet épiphénomène, ou bien ce phénomène des nouveaux pasteurs des églises réveillées, nous donne quand même matière à analyse, tel que l'a souligné effectivement le cas dont nous avons, l'honneur de décrypter. Ce pasteur qui, effectivement, répond au canon juridique, c'est-à-dire l'adoption, qui est parmi la panoplie, effectivement, des mots qui consacrent la filiation, c'est-à-dire que jus sangui, jus soli, la filiation par adoption, devrait pourtant nous ramener dans des valeurs d'éthique. Parce que chez les bancs, je ne vais pas prendre cette civilisation comme modèle, on sait quand même qu'il y a certains qui choisissent de ne pas enfanter, mais d'adopter. Mmh. Et qui aiment ses enfants comme effectivement leurs propres enfants. Exact. Alors, quel est ce tango où effectivement la fille qui non seulement ne respecte pas aux obligations essentielles dans son foyer, mais fait l'essuie-glace entre son soi-disant père adoptif et le mariage dont effectivement elle a convolé aux noces devant Dieu et devant les hommes. Nous devons vous dire que la société, les valeurs camerounaises ont eu un petit accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, en 1960, je vous le dis rapidement, un droit qui nous a été imposé par les colons. Ce code civil de Napoléon de 1804, tenez-vous tranquille, et qui a été institué dans les années 30 et qu'on devait appliquer, en 1960, donc, dans les colonies françaises, il y a eu un dualisme. Est-ce qu'il fallait appliquer de façon catégorique le droit moderne et laisser notre droit coutumier? La Côte d'Ivoire a répondu par oui, c'est-à-dire qu'elle a balayé de revers la main le droit coutumier, elle a épousé le droit moderne. Le Cameroun est allé sur des bases duales. Voilà pourquoi vous avez dans nos tribunaux ce qu'on appelle le droit moderne, ce qu'on appelle les TPD. Ça veut dire que les tribunaux s'attirent en droit coutumier. Et vous avez des juges assesseurs. C'est-à-dire que dès lors qu'on sait que vous vous êtes peut-être boulou, on va prendre un patriarche boulou qui va venir. Je vais vous faire mettre à partie. Si vous voulez divorcer. Un peu je vais chuter par là. C'est très intéressant. J'ai pas dit on vous donne l'opportunité de choisir entre le droit coutumier dans votre divorce et le droit moderne. Option de juridiction. Sauf qu'il y a un problème. Quand vous allez dans le droit coutumier, il y a c'est facultatif. C'est-à-dire que l'un des époux peut refuser effectivement ce droit coutumier. Systématiquement, le juge
va juger irrécevable et vous renvoie à mieux le pouvoir, c'est-à-dire qu'au droit moderne. Mmh. Or, le droit coutumier est assez rapide parce que on pose juste la question au juge assesseur que dans les coutumes Bassa, Boulou, quelles sont les causes du divorce? Est-ce que la répudiation? Est-ce que l'abandon de foyer? Est-ce que l'obligation charnelle, ok, est une cause de divorce? Et dès lors que le juge assesseur dit oui, le juge moderne, je veux dire que le juge de l'ordre, la magistrature, va prononcer le divorce. Alors que au niveau du droit moderne, c'est très compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce droit qui nous a été légué par le droit canon, c'est-à-dire que le catholicisme, vous dissuade même de divorcer et c'est très compliqué. C'est même très compliqué jusqu'ici. Hein. Je voudrais prendre aussi votre avis. Je voudrais vous rappeler que dans la dénonciation de Bernardo, il dit que le problème a commencé depuis. Le monsieur a commencé à constater quelques écarts à lui adressés par sa conjointe. Et ceci a obligé ce dernier à aller pousser le bouchon loin, c'est-à-dire à aller marier la fille. Mais jusque-là, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on nous parle de 2 mois d'abstention, je ne sais pas pour quelle cause, mais il voit que son mariage risque de se briser. Voilà pourquoi il envoie la dénonciation à l'endroit des deux mineurs ce matin. D'abord, j'aurais 4 choses, mais avant un petit détail, j'ai l'impression que dans le propos du docteur, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être il va confirmer, est-ce que le pasteur a adopté de manière légale la fille? Je ne pense pas. Parce qu'en discutant des questions de l'adoption, on aurait pu penser qu'il a adopté légalement la fille. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas le père de la fille. Juridiquement, il reste ce qu'ils appellent un père spirituel. Alors, 4 choses. Puisque le monsieur nous regarde, la première chose, c'est qu'il faut saluer le monsieur. Combien de jeunes aujourd'hui ont la capacité de se lancer dans le mariage avec des conditions comme d'abstention avant le mariage? Et il a précisé, le monsieur a fait tout ce qui est dans les canons, et on connaît chez nous, il y a les toqués-portes, les cassés-portes, les dots, etc., mariage civil, religieux. Le monsieur y a accepté, il s'est soumis à cela. Donc, il faut d'abord féliciter le monsieur pour cela. Vous savez, dans les dénonciations, pour supposer des exemples pour notre jeunesse. C'est ça. Ça, il faut saluer. La deuxième chose, c'est que je vais un peu revenir sur la position du droit à cet effet. Effectivement, en droit écrit, et peut-être on va régulièrement corriger, c'est un lapsus souvent du docteur, il n'y a pas un code civil camerounais. Il y a un code civil applicable au Cameroun, notamment justement par les décrets d'application. Il y a plusieurs lois qui ont modifié et complété notamment les ordonnances. Par contre, il y a un avant-projet de code civil et de droit de la famille qui est en gestation depuis plusieurs années. D'ailleurs, de ce côté-là, il y a le professeur Atangana Malonguet qui est dans cette commission qui a fait un travail formidable. Alors, en droit écrit, la non-consommation du mariage peut être une cause de divorce. Mais elle n'est pas une cause péremptoire de divorce. Mmh. Donc, du coup, s'il engage le divorce devant les juridictions de droit et qui, tel que le disait le docteur, il peut avoir une lourdeur judiciaire. Or, du côté de la partie anglo-saxonne du pays, la non-consommation en mariage est une cause péremptoire de divorce. Ça, c'est la première chose. La troisième chose que je veux dire ici, par là, cette dénonciation pose quelque chose d'assez fondamental et profond. La problématique des mouvements messianiques. Parce que je ne veux pas restreindre le sujet en parlant des églises réveillées. La problématique des mouvements messianiques. Nous avons un type de mouvement religieux qui est arrivé au Cameroun et dit à des populations qu'ils peuvent résoudre des problèmes du point de vue d'une baguette magique. Et la population qui est assez faible à ce sujet, il se lance là-dedans et ça crée ces problèmes-là, justement. Mmh. Donc, ici, le problème est un problème général à la réalité. C'est un problème que les mouvements messianiques causent à la vérité. Mmh. Maintenant, je vais finir quatrièmement en disant quelque chose à la dame et peut-être aussi au pasteur. Que ce soit dans les relations de famille, que ce soit dans les relations d'amitié ou de mariage, la sacralité d'une relation tient au secret qu'ils vont. À partir du moment où la dame prend sur elle de raconter systématiquement ce qui se passe dans le secret du mariage au pasteur, ce mariage n'y tient plus. Je dis bien, c'est valable même en amitié. Vous allez voir des gens qui sont tout le temps mis, on reproche X à Y, on reproche l'autre, mais ils sont toujours ensemble. Ils ont des secrets ensemble qui fondent la base de cette relation amicale, de cette relation de mariage. Donc, que la dame, première chose, arrête systématiquement de raconter les secrets de son couple au pasteur. Maintenant qu'il est établi que le pasteur... Si elle veut encore rester avec ce monsieur... Bien sûr. Maintenant qu'il est établi que le pasteur n'est pas
le père adoptif, du moins juridique de la dame, que le pasteur arrête de s'ingérer dans cette relation. Et oh monsieur, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer, mais tout le monde, arrêtez de penser que le divorce est une solution la plus désastreuse dans un mariage. Arrêtons de penser que le divorce est la solution la plus désastreuse. Si le législateur l'a prévu, encore que lorsque vous divorcez, on ne vous interdit pas de vous remarier. Donc, parfois, il faut peut-être accepter et faire voir à la personne que vous pouvez me perdre pour que ça réveille la personne et la personne sente que j'ai perdu effectivement un centre névralgique de ma vie et ça peut faire revenir la personne. D'accord. Le divorce n'est pas la chose la plus désastreuse. Au contraire, elle peut s'avérer salutaire. Mais maintenant, il faut bien y manager parce qu'il y a des enfants à l'intérieur. Merci infiniment. Votre mot sur le sujet, vous êtes la personne qui a creusé sur la situation et vous avez certainement aussi un mot à coller après les réactions de vos copanélistes. Parfois, lorsque la cause humaine est profondément sollicitée, il faut écarter les éléments accessoires. C'est-à-dire, parfois, le droit qui veut être convoqué ici ne peut pas résoudre durablement un vrai problème. Ne va pas résoudre ce problème. Sur la question du divorce, moi, j'élude totalement cette hypothèse pour le moment. Parce qu'il est encore possible de sauver ce mariage. Mmh. C'est mon avis sur la question. Ouais. Premièrement, dans une relation, lorsqu'il y a rupture du dialogue, tout devient complexe. Et c'est le cas. Voilà pourquoi leur relation est complexe. Deuxièmement, pour la dame et le jeune homme, l'inférence qu'on fait aux parents, l'appel qu'on adresse aux parents, c'est pour solliciter leur expérience pour avancer et non leur dictat dans la relation. Quand ça ne va pas, si j'appelle maman, c'est pour qu'elle me dise comment est-ce qu'elle gérait souvent ce genre de situation compliquée et non pour qu'elle me dise fais ci, fais ça. Elle partage son expérience que j'accepte ou que je rejette selon ce que j'ai en moi. Troisièmement, sur la question des églises en général, l'église dans sa dimension profonde a pour mission d'accompagner l'union des personnes et non de détruire l'union des personnes. Donc si un homme d'église, un pasteur, arrive à être le problème d'une relation, alors cela signifie que cette église est mauvaise. Il faudrait le dire, le monsieur, parce qu'il est allé rencontrer le pasteur plusieurs fois pour lui parler et pour se plaindre de ce que parfois sa femme rentre très tard, on l'a excommunié de l'église, il faut le dire. Donc, vous comprenez à quel point important. C'est un environnement malsain dans lequel il s'est trouvé. Pour finir, je dis toujours, lorsqu'on va se marier et qu'on a en soi, pour seule base, le sentiment, on se trompe. Celui qui se marie avec une femme parce qu'il l'aime, une femme qui épouse un homme parce qu'elle l'aime, se trompe mutuellement. La première condition du mariage, c'est la compatibilité. Ce n'est pas le sentiment, parce que le sentiment est une flamme qui peut monter et descendre. L'amour cache beaucoup de défauts, et lesquels défauts se lèvent au fur et à mesure que l'amour diminue. Tout à fait. Donc, il faut faire attention à qui est-ce qu'on choisit comme compagnon. Donc, on épouse une femme avec qui on peut traverser certaines étapes. J'aime souvent dire à la télé, moi je ne cache pas que Mayen Tombok. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et à partir de là, on te dit dans le mot que ta femme, c'est celle avec qui tu peux porter un fardeau et traverser des étapes dans ta vie. Ce n'est pas celle que tu aimes. Vous êtes la confrérie du Mbok. Pardon? Vous êtes la confrérie du Mbok. Bon, peut-être que ça veut dire en français. Hein? Voilà, bon, en français moi, c'est moi je suis francophone, je ne suis pas français. Confrérie. Donc, que je parle mal leur langue, c'est accessoire. Que je parle mieux le bassin, c'est prioritaire. Donc, vraiment, et j'ai dit à ce jeune homme pour le moment, en tant que psychologue, je verrai si je peux leur appliquer le 5-5-5. Ça veut dire, des fois, quand c'est compliqué dans une union entre deux personnes, vous convoquez un psychologue qui s'assied et qui applique ce qu'on appelle le 5-5-5. Ce n'est pas toujours une solution, mais ça peut aller. Ça veut dire, la femme s'exprime très difficile pour un psychologue durant 5 minutes. Ça. L'homme s'exprime durant 5 minutes, puis les deux s'expriment durant 5 minutes. Vous cochez les points d'accord et les points de divergence et enfin, vous suggérez des éléments qui peuvent durablement les aider à communiquer. Parce que si se mettent nouvellement à communiquer, il y a des chances de sortir de là. Mais il n'a pas à se décourager. Si c'est sa femme, ce sera parfois difficile, mais ils pourront encore avancer. Ça, oui, nous prenons alors vos conseils aussi, parce que tout le monde est passé par là, en chutant dans sa prise de parole. Nous vous écoutons, Ferdinand. Il est très difficile d'être dans cette position et de donner des conseils, parce que quand on n'est pas des acteurs et qu'on a certaines, on a des données qui nous sont apportées comme ça au pif dans une émission, le jeune homme, il aime encore sa femme.
Parce que s'il a sollicité une séance comme celle-ci, c'est parce qu'il veut rattraper certaines choses. Mais il est face à un mur, entre guillemets le mur, parce qu'il y a un gourou qui contrôle spirituellement Satan de moitié. Et le gourou, c'est le pasteur ici. Et c'est le lieu de questionner ces entreprises que sont les églises de réveil, parce que c'est des entreprises, c'est une entreprise des hommes, l'église d'ailleurs. Parce je vais téléphoner à ce pasteur. Dieu. Il est à soi. Dieu. L'église est à soi. Moi je vais l'appeler pour discuter avec lui. Dieu est une entité qui est en tout. Et qui concilie. Qui est unidimensionnelle. Dieu, nous sommes dans des églises ou dans les obédiences parce que nous adoptons une façon d'adorer Dieu. Notre façon d'adorer Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs églises. Qu'on peut d'ailleurs en créer. Notre législation le permet. Donc, ici, on est en face de quelqu'un qui a contrôlé spirituellement une de ses fidèles, qui a d'ailleurs conditionné le mari de cette fidèle, qui n'a pas la filiation biologique, qui n'a pas de filiation biologique avec la fidèle en question. Toute chose qui laisse sous-entendre plein de choses. D'ailleurs, le fait qu'on ait excommunié le jeune homme parce qu'il a voulu discuter avec le pasteur sur ses problèmes de couple, beaucoup est un élément, clair. Doctrine. Parce que le pasteur, ici, dans sa posture d'homme de Dieu, devrait être le conciliateur dans la relation. Mm-hmm. Mais monsieur Kungu, certains parlent facilement de divorce. C'est que les gens ne mesurent pas souvent ce que d'autres personnes sacrifient dans la relation. Non. Et en fonction de ce que tu as sacrifié, de ce que tu as investi, de ce que tu as injecté, c'est compliqué parfois de dire comme ça que je divorce. Non, c'est ce que je suis en train de dire. L'attachement est parfois mariage, un investissement le mariage, injecté dans une le mariage, c'est la construction. C'est un construit. Voilà. Le mariage. Donc, on crée des repères. Parce qu'on construit déjà sa vie. Parce que nous sommes de passage. Le mariage en fait partie. Quand on a posé des repères, si un des repères vient à chanceler, évidemment, ça peut basculer. Ça peut chanceler toute votre vie. Mmh. Alors, dans le cas d'espèce, le jeune homme a un seul obstacle. Parce que la femme peut bénéficier de ses circonstances atténuantes. Si elle est tenue spirituellement par quelqu'un qui l'a construit sur le plan psychique et sur le plan psychologique, qui est le pasteur. Pour terminer. Si elle est tenue et qu'elle peut obéir à ce pasteur et non à son mari, qui est en fait devenu aujourd'hui toute sa vie, c'est que le jeune homme a un seul obstacle, c'est le pasteur. Tout à fait. Donc au lieu de discuter avec la jeune dame, parce qu'elle n'a pas la force, n'est-ce pas, spirituellement, de contester ou de contrer son gourou, le pasteur ici qui est le gourou entre guillemets, c'est plutôt au pasteur. Donc le jeune homme devrait plutôt s'arranger à trouver les moyens à dissuader le pasteur pour qu'il lâche prise psychiquement et psychologiquement sur sa femme. D'ailleurs, je lui conseillerais de sortir de cette église. Et de se battre par tous les moyens, non. Il n'est pas, puisque sa femme y est encore, ça veut dire qu'il y est. Si votre femme est quelque part, vous y êtes. Il y est au moins en partie. Bon, je lui conseillerais notamment de se battre, de sortir de cette église et d'y sortir sa femme. Mais ça veut dire qu'il est possible. C'est beaucoup plus difficile parce que vous ne savez pas à quel niveau la relation spirituelle est déjà allée entre la fille et le pasteur. Et les femmes aussi, arrêtez de penser qu'il faut nous faire chanter avec l'affaire là. Merci. Quand on se marie, c'est pour faire. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est ça le détail. C'est même là-bas qu'il y a le succès. Non, non, si elle n'a pas cette envie, pourquoi possible ça? Qui est même là-bas haut? L'envie là-bas, pourquoi? Elle n'a pas des envies. Elle se bat. Ils doivent causer comment? Donc je me marie dans 2 mois comme Bernardo. Non. J'ai dit, on se retrouve juste après. Ok, c'est bon. Sur Info TV, vous regardez votre programme de tout le matin lorsqu'il est 10h et jusqu'à 11h52, c'est naturellement espace miné dans la dénonciation de ce jour. Forcément, il y aura des réactions et même tout ce qui a été dit depuis le début de ce programme. La condition qui me reste, c'est celle justement d'aller visiter ce que disent ceux qui regardent cette émission depuis son début. Bruno
vendredi victorieux à ton illustre panel. Manaouda dans ses slogans politiques avec un personnel les yeux illuminés qui baille dans la façon de dire sa fin, dans un corps face à une insécurité professionnelle, un corps devant un gouvernement sourd, leur faisant subir des violences physiques et même psychiques. Du moment où Mamafouda trônait dans cette institution, Bernardo, le mariage est un état d'esprit et d'engagement aussi, où chacun joue sa partition. Pauvre jeune homme, dans une stupeur et incompréhension intime. C'est Massoc Thomas, il est dans son style. Bonjour à vous, très cher Massoc. Bien. D'autres messages aussi. Bonjour à vous. J'ai besoin du numéro de Bernardo. J'ai aussi ma dénonciation à faire pour que les démineurs me viennent au secours. Bien sûr, on va le faire. Ça sera forcément après l'émission. Bonjour à vous, Jean-Bruno Fang. On est à ton panel pour la dénonciation de ce matin. Je soupçonne le pasteur de crier le désordre dans ce couple. Chez nous, il est dit que le porc a mangé le mille-pattes par fréquentation exagérée, que l'homme en question mène ses enquêtes, traçage de téléphone et autres. Il verra clair. Benoît, depuis où est-il, nous écrit et il prodigue même des conseils à son ami qui a des problèmes aujourd'hui. Avec son épouse. Tracer le téléphone. par exemple, il pourra voir clair sur la situation. Bonjour à vous, Jean-Bruno. Merci. Bonjour à tous tes panélistes. Jean-Bruno, le plus grand bonheur d'un parent est de voir son enfant se marier. Et dans le mariage, le plus grand bonheur et la grande joie, c'est d'être épanoui avec son conjoint. Cela se passe bien lorsque les parents et les beaux-parents observent de très loin la vie de leurs enfants mariés. Un parent ou un beau-parent devient un obstacle lorsqu'il s'immisce dans la vie du couple. Un parent ne doit pas, par exemple, aller s'installer pendant 6 mois chez son fils ou chez sa fille. Bonne émission à vous, c'est Franck de Mendon qui a envoyé cette participation. Bonjour à vous, les démineurs de tout le matin. Merci pour le travail. Qu'est-ce que je dis ce jour? C'est juste que les perceurs des mots de la société camerounaise, vous l'êtes. Parlant de la dénonciation, ce pasteur et cette fille-là sont en train de tisser un plan pour récupérer les biens de ce jeune homme. Il ne faut pas qu'il divorce parce que c'est ce que ces deux sorciers veulent. Car si notre Bernardo fuit bien, le jeune homme là s'est marié sous le régime de communauté des biens. Donc il ne doit pas divorcer car ces deux sorciers ont un lien ensemble et ils veulent dépouiller ce dernier. C'est Junior de Bobogo qui nous étaye aussi à ses propos. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Merci. Mon avis, le mariage, c'est pour deux personnes, pas pour plusieurs. Et ce que je peux dire dans ce cas, la femme et l'homme doivent dialoguer ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec Bernardo Basson. Je veux être comme toi intellectuellement, avec la sagesse. Merci et bonne journée à vous. Merci également à vous. Bonjour à vous, c'est Aïcha depuis Ngaoundéré qui nous écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Cette dame a déjà reçu ce qu'on appelle lavage de cerveau par ce pasteur. Donc, pour moi, le divorce n'est pas la meilleure solution pour couper court. Il doit prendre sa femme et partir de cette ville. Voilà quand même ma solution. C'est Aïcha qui nous écrit depuis Ngaoundéré. Il y a plusieurs autres messages que nous n'aurons malheureusement pas le temps de lire parce que le temps nous tient grandement à la gorge. On va lire peut-être ceci. Bonjour Jean-Bruno, quel est ce pays où les faux problèmes comme les salaires sont devenus récurrents dans l'administration? Heureusement que dans la revue de presse de TVB, tout à l'heure, une presse nous rappelait que les enfants du Cameroun seront libérés de la longue nuit dans exactement un an. C'est Zigli qui signe cette participation. Bonjour à vous, Espace Miné. Je voulais demander à Bernardo s'il a pris la peine de se rapprocher du pasteur pour enquêter et connaître son point de vue comme il le fait avec d'autres dénonciations. Je suis pasteur et je sais de quoi je parle. Je me suis fait agresser une fois par un homme dont la femme disait qu'elle dormait à l'église pour les retraites alors qu'elle dormait chez l'amant.
Le culte finit à 20h00. Elle avait dit à son mari que le culte finit à 22h. Donc, avant de tirer sur le pasteur, comme vous le faites bien, mais allez d'abord vérifier. C'est l'apôtre bienvenu qui nous indique cette démarche aussi. Le bonjour Jean-Bruno. À tous les panélistes, le plus grand bonheur d'un parent est de voir ce message a déjà été lu sous un autre canal. Bien, on va peut-être arrêter à ce niveau. Je n'ai pas le choix. Il y a, j'ai dit, toute une panoplie de messages qui nous sont parvenus sur la dénonciation et tout a été dit comme conseil. C'est juste le temps pour nous de prendre la thématique centrale ce matin pour rappeler que nous sommes exactement le 9 juin 2023, 19 ans plus tard. Ou alors 19 ans plus tôt, on vivait cette scène où il était annoncé justement le départ du président de la République, Paul Biya, de cette terre. Mais à la descente de son avion, ce jour, nous sommes le 9 juin 2004, donc il a donné rendez-vous à ceux qui ont prédit sa mort dans 20 ans. Nous sommes à jour moins un an effectivement, on va dire, il était une fois... Le 9 juin 2004, vous étiez déjà né, vous suiviez cela comme le chien qui suit la musique, comme on dit, mais une certaine forme revenait en vous, parce que j'imagine que vous étiez encore très jeune, qui vous annonçait des vents violents, et des vents qui ne voulaient pas laisser le Cameroun en paix. Mais l'homme est descendu de l'avion, les premiers mots sont cela, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Oui, M. Jean-Bruno, d'abord, peut-être ici, c'est le lieu pour moi de rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte de 2004 où, pendant 48 heures, une vague de rumeurs traverse le pays annonçant l'homme lion décédé. Pire à l'étranger. Plus grave dans des circonstances troubles. Parce que lorsqu'on posait la question, il est mort de quoi ? Personne n'arrivait à vous répondre. Ça paraissait comme si c'était tout simplement un assassinat, un empoisonnement ou quelque chose, un complot. Et c'était la peur totale. Je m'en rappelais, nous étions très jeunes, j'étais à la cité des Palmiers. Et d'ailleurs, lorsqu'on t'attendait dire, est-ce que le président est mort ? C'est ta mère qui dit, entre dans la maison, entre dans la maison. On n'en parle pas. Donc il y a cette peur qui a traversé le pays. Et imaginez les apparatifs du régime. Eux-mêmes n'avaient pas la bonne information pour monter au créneau des mentir. Alors, lorsque le président de la République rentre de l'étranger et a la descente de l'avion, on lui pose la question, il a cette célèbre phrase. D'abord, qui est dans son style habituel, et rappelez-vous, le président a un stylistique, j'allais dire, elle est tout à fait particulière. Vous connaissez ces mots à partie sorcier, surenchère verbale, je vous donne rendez-vous dans une bonne vingtaine d'années. Les mathématiques, les bruits. Effectivement, donc il a d'abord son style linguistique qui est assez particulier et qui plaît aux Camerounais, mais surtout dans cette phrase il y avait un objectif, c'était de rassurer le peuple camerounais. Donc au-delà du fait que son apparition démentait les rumeurs, il y avait une projection, et c'est pour ça que son nom, le maître de l'horloge du temps, il y avait une projection. Il disait aux Camerounais, en dehors du fait que je sois vivant, je ne sois pas décédé, je suis en bonne santé. Dans les jours à venir, n'attendez même pas que je vais décéder. Je vais le faire si ça va arriver peut-être dans une bonne vingtaine d'années. C'était une nouvelle rassurante. C'était une nouvelle d'un chef d'État qui vient dissiper une rumeur qui a traversé son pays avec l'élégance qu'on le connaît et avec sa gestuelle. Cette phrase est restée mythique parce que vous le savez très bien. Ici, vous avez parlé au jeu de 2020, mais vous connaissez un célèbre fantassin qui s'est amusé en 2018 à dire exactement la date à laquelle le chef de l'État est décédé. Et aujourd'hui, lui, il est décédé avant le chef de l'État. Bien sûr, bien à son âme. Mais c'est pour vous dire, dans la cosmogonie bantou, on n'annonce même pas la mort d'un patriarche. Quand vous le faites, vous lui donnez plutôt une longévité. Et je pense que lui, il avait déjà compris ça très jeune à l'époque. Et il a déjà donné rendez-vous. Et nous sommes à 19 ans. Juge moins 1. Moi, personnellement, je ne vois pas le président de la République décédé dans un an. Donc, décidément, il avait bien raison. Il avait bien raison, hein, docteur Ignobet. Vous avez justement suivi cette actualité, ces vagues d'informations. Et après, il a fallu que le président de la République lui-même sorte et qu'il fasse cette déclaration. Aujourd'hui, 19 ans, on se pose la question, c'était pour dire quoi? C'était pour dire, je serai encore là 20 ans plus tard, ou alors je vais changer ceci, je ne ferai pas cela.
Qu'est-ce que cela voudrait bien cacher? Parce que quand un patriarche parle, quand un savant parle, tout cela est dedans. Et aujourd'hui, on a bien le temps de s'interroger et pour dire « il était une fois ». Oui, Jean Bruno, au-delà du discours messianique de mon frère de Boudmakak, je pense que moi je vais faire l'analyse humaine de ce buzz, puisque en son temps le mot n'était pas suffisamment intégré dans la nomenclature camerounaise, dans la grammaire, effectivement, le vocabulaire, la grammaire verbale. Alors, je dois vous dire que n'oubliez pas qu'en 2004, c'était une année électorale. Parce que nous parlons du 9 juin, mais il y a eu les élections présidentielles le 11 octobre. Et je dois retenir que j'ai lu un livre sur le secrétaire général de la présidence en son temps, Jean-Marie Tamerlan Nibara, oui, qui avait un peu commenté dans son livre cet événement. J'ai retenu beaucoup de choses. Oui. J'ai retenu beaucoup de choses, effectivement, dans cet opus. Alors, je dois vous dire que le SGPR, en son temps, souligne qu'au sein même du gouvernement, il y a eu une panique. Il y a une panique, souvenez-vous qu'en son temps, il n'y avait pas encore la chambre haute, le Sénat. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait succéder, assurer l'intérim pour pouvoir restituer les thèmes consacrés. Et il se trouve que beaucoup, comme on l'appelle le grand Manitou, ne maîtrisent pas très bien le fonctionnement du chef de l'État. Les ministres, beaucoup ne le voient même pas, peut-être le voient le 20 mai, ceux qui peuvent serrer la main. Et le SGPR, en son temps, a été assailli par les coups de fil de ses collègues, puisqu'il était ministre d'État. Et lui-même n'arrivait pas à donner la bonne information, parce que c'était très délicat. Même les apparatus du pouvoir n'avaient pas l'information. Et il se contentait à appeler l'aide du camp. C'est un livre qui a été rendu public, dont je suis ce que j'ai lu. Et l'aide du camp qui ne prenait même pas le téléphone à un moment donné, qui finalement a pu prendre le téléphone pour lui dire que il a pu voir le chef de l'État il y a quelques heures. Donc cela sous-entend, laisse subodorer que le chef de l'État est vivant. S'il y avait quelque chose, il allait le tenir informé. Et lui se demandait, est-ce qu'il faut qu'il faille que le ministre porte-parole du gouvernement puisse faire un communiqué là-dessus. Il appartenait au SGPR, effectivement, de donner ses instructions. Il a hésité. Et au ministre Atamera Baradidia, lorsque le président de la République est entré, il lui a fait cette reproche. Bon, mais lui, il dit que c'est peut-être une colle. Parce qu'il ne s'imagine pas aller annoncer au peuple camerounais que non, le chef de l'État est vivant, il n'est pas vivant, attendez, tout. Mais le chef de l'État lui a fait la reproche que pourquoi vous n'avez pas pris en fonction de patron de la présidence, puisque c'est celui qui a assuré. C'est le cas. De rassurer le peuple camerounais et à travers les canaux institutionnels qui sont donc le porte-parole du gouvernement, que effectivement je suis vivant. L'un s'en fout. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est quoi? C'est que l'article 6, alinéa 4, la Constitution camerounaise, parle de la vacance de pouvoir. Et justement, elle parle du décès, puisque nous parlons du décès du président de la République. Elle parle de l'empêchement définitif. Elle parle de la démission. Alors, et cet article précise que c'est le président du Conseil constitutionnel qui constate cette vacance. C'est très facile de constater une démission parce que c'est du vivant. C'est un acte formel et écrit. Et donc le président du Conseil constitutionnel a entériné que effectivement le président a démissionné
et c'est le président du Sénat qui prend les affaires. Il organise les élections 20 jours au plus tôt, 120 jours au plus tard. Maintenant, là où il y a une très grande mafia, je prends la casquette de juriste, beaucoup de juristes sur le plateau, bien fort heureusement, c'est les cas de décès et d'empêchement définitif où la constitution n'est pas claire. Je dois vous dire que dans quel contexte le président du Conseil constitutionnel constate le décès du président, par exemple. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes là? Oui, mais justement. Non. Et il se trouve que nous sommes 20 ans plus tard, ouais. La question est relancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut rappeler John Nyobe. Dieu peut rappeler n'importe qui parmi nous, mm-hmm. notamment ceux qui sont garants de nos institutions. Et ce qui doit être en gestation, c'est quoi? C'est que empêchement définitif, c'est quoi? Qui constate le décès? Si ça arrive, parce que vous avez dit 20 ans plus tard, le président, lui, dans sa rhétorique légendaire, vous a renvoyé à 20 ans. Comme le disait le conseiller municipal, certainement pour vous dire que n'attendez pas ma mort mmh. aujourd'hui. Oui. Mais moi je dis, cela nous laisse une passe à la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en son temps, les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que le président de l'Assemblée nationale, en son temps, était entré dans le triangle de Bermuge. Alors que c'est lui qui était le successeur constitutionnel. Je dis, ouvrons cette problématique qu'effectivement, si cela arrive, on lui l'a dit 20 ans, et que si cela arrive, comment est-ce que ça va se passer? Puisqu'il y a un flou. Que non, nous ne sommes pas dans si cela arrive. Nous sommes dans l'analyse, la compréhension de ce qui s'est passé ce jour, certes, mais c'est un rendez-vous. Nous sommes dans ce rendez-vous-là. Qu'est-ce que le président voyait d'ici 20 ans? C'était le passage de la constitution du Cameroun, ou alors d'ici 20 ans, je vais organiser peut-être, je ne sais pas trop quoi, c'est ces interrogations-là que nous voulons peut-être déblayer. Je vais donc chuter. Bernardo, vous aurez le temps de chuter tout à l'heure, docteur Nyobe. Le temps pour moi de passer la parole à Bernardo sur la question. Il était une fois le 9 juin 2004, et aujourd'hui, c'est un jour pareil. Nous sommes à un an, jour pour jour, en 12 mois exactement, pour faire la somme. Du temps que le président de la République, Paul Biya, a donné à ses détracteurs. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Nous étions en 2004. Ouais. Une élection présidentielle devait avoir lieu quelques mois plus tard. Ouais. Les rumeurs allaient bon train. Les opposants, notamment le SDF, s'activaient de façon assez manifeste. Et donc, bien sûr, chacun essayait de déstabiliser l'autre camp pour pouvoir éventuellement avoir le vent en poupe au moment opportun. Exact. Donc, il fallait peut-être qu'il y ait de la panique au sein du parti au pouvoir pour que le ou les partis d'opposition qui étaient plus ou moins structurés à ce moment-là se font de la place. Oui, décident ou alors aient la chance de prendre le pouvoir. Deuxièmement, je ne suis pas de ceux qui veulent donner une certaine force à l'humain. C'est-à-dire, pour moi, il m'est impossible de considérer les 20 ans comme étant un chiffre réel dit par le chef de l'État. Pour moi, c'était juste un langage comme pour dire « attendez encore longtemps ». Loin de lui, l'idée de vouloir être arrogant ou être présomptueux en disant « dans 20 ans, exactement, il y aura telle ou telle autre chose ». Pour moi, c'est vraiment être prétentieux ou peut-être être naïf sans insulte de vouloir penser qu'un homme peut avoir la capacité de disposer du temps selon sa mesure. Le temps appartient à la divinité et non à l'humanité. Le seul regret que moi j'ai, c'est qu'à ce moment-là, le Cameroun était sous programme d'ajustement structurel. C'était un pays extrêmement... un pays déjà en difficulté. Et on espérait que par son discours qui avait vocation à rassurer, on aurait un pays qui se porterait mieux à mesure que le temps passait. Il avait déjà plus de 70 ans à ce moment-là. Donc, tous 70 ans, on estimait que les choses iraient mieux. Mais on a plutôt l'impression, et c'est peut-être malheureux pour moi de le dire, qu'il voulait nous dire que
vous avez encore 20 ans de souffrance. Ou vous avez encore peut-être beaucoup d'années de misère. Donc, ça peut être dur de le dire parce que justement, depuis 2004, le Cameroun ne se porte pas du tout bien. Les choses vont de mal en pis. Le secteur de l'éducation. À l'époque, on avait le ministère de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a scindé en trois ministères. Vous voyez, il faut que des gens viennent, se remplissent les poches, que le peuple souffre. Donc, personnellement, c'est un discours qui, pour quelqu'un comme moi, est plus blessant qu'autre chose. Parce que ce qui s'est construit durant cette vingtaine d'années-là est de nature à ne pas permettre au Cameroun de bien se porter aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi de le dire, mais autant, je n'ai pas à souhaiter la mort de quelqu'un, dont le fait qu'il soit vivant, c'est tout bénéf pour lui, pour tout le monde, pour sa famille, pour ses proches et pour ses partisans, ses militants et sympathisants, ceux du RDPC. C'est bien qu'il soit là pour eux, mais peut-être pour le Cameroun, ce n'est peut-être plus le moment. Donc peut-être si les 20 ans lui sont donnés, c'est-à-dire on arrive en 2024, que peut-être il pense à un moment donné, est-ce que le Cameroun peut mieux se porter. Là où vous faites quelque chose, dites-vous toujours qu'il y a des gens qui peuvent faire cette chose mieux que vous, disait quelqu'un sur ce plateau il y a quelques jours. Donc je pense que le Cameroun peut-être devrait penser à sa succession et lui aussi devrait travailler dans ce sens-là. C'est ce que tout sauf que le thème bascule directement vers une histoire de succession. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant, mais qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État a rassuré dans la descente de l'avion et on constate aujourd'hui qu'il a annoncé un chiffre et bizarrement ce chiffre est en train de s'avérer. D'où sont-ils qu'on parle de problèmes de succession? Exactement. On reviendra peut-être. C'est exactement là. Est-ce que ce sont des agendas cachés de la thématique? Parce que ce que le SDF faisait, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que le PCR est en train de faire aussi. Je ne suis pas du PCR. Je dis, est-ce que vous savez, je vais vous surprendre tous. Je suis stratège, donc je suis spécialiste des analyses. Et il y a une complexité quand il s'agit de la conquête et des joutes pour la conquête du pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des intelligences qui ne sont pas visibles. On appelle ça les intelligences hybrides. Où les gens peuvent justement, ayant étudié la structure, et faire des essais pour peut-être voir les réactions des uns et des autres. Ou alors faire un grand coup d'essai pour faire un passage en force ballon d'essai. Et avoir le sésame, voilà, le ballon d'essai. Depuis 2004, on n'est pas. 2004 était juste le premier ballon d'essai. Le premier ballon d'essai. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Merci. Et si vous allez convoquer les intelligences qui pourraient s'affronter pour la conquête du pouvoir et le jeu qu'ils peuvent utiliser ou les stratagèmes qu'ils peuvent utiliser. On commence à utiliser la mort de celui qui tient le pouvoir comme un outil ou un langage politique, ou même un argument politique. Effectivement. Parce que les acteurs de 2004 sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et quand je parle d'acteurs, vous pouvez les trouver de tous les côtés. Parce que pour ce qui est des intelligences de conquête du pouvoir, il y a des deals qui peuvent se faire entre gens de plusieurs camps en fonction des intérêts communs qu'ils auraient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fonction des intérêts communs qu'ils auraient. Des deals peuvent donc se faire même entre quelqu'un qui est dans le système gouvernant, qui occupe une position stratégique, avec un organe de presse qui est hors du système gouvernant, qui semble même être contre le système gouvernant, avec des intelligences au niveau des forces de défense et de sécurité, des intelligences au niveau de la société civile, et ça vous donne ce type de ballon d'essai. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, on dit, bon, on va, comme il est magnifié par son pouvoir et dans son pouvoir, et qu'il est difficile à atteindre, il faut désacraliser ce mythe en le faisant mort, le faire mort, c'est-à-dire le dire mort, pour voir les réactions des uns et des autres, essayer de corriger les erreurs qu'ils pourraient commettre. C'est exactement ce qui s'est passé en 2004. Très technique. Et c'était un ballon d'essai. Je suis dans mon élément là. Je vous ai dit que je suis stratège dans les analyses. Et là, même les personnes les plus insoupçonnées ne peuvent pas participer à ça. Et on peut convoquer des intelligences communicationnelles de haut niveau pour faire circuler
cette rumeur pour qu'elle aille de bouche à oreille. Et vous, vous réagissez en pensant que vous l'avez fait de vous-même, mais on vous a conditionné. C'est pour ça que quand il descend de l'avion, étant un initié, un bantou profond, il sait que dans la cosmogonie bantou, quand vous avez souhaité l'amour à quelqu'un, Dieu est jaloux, il est possessif. Effectivement. Ça dépend de lui, la mort. Dieu a horreur qu'on se prenne pour lui. Il dit qu'on croit en lui et qu'il sera notre seul Dieu. Donc quand vous, êtres humains, vous vous amusez à souhaiter ou à faire croire mort un autre être humain, lui, il s'active à produire le contraire. Lui ayant le pouvoir, là je parle de Dieu. Donc le président de la République, initié qu'il est, sachant qu'à partir de cet instant, le divin va évidemment prolonger son existence sur terre, tout. Il vous donne rendez-vous plus tard en disant merci beaucoup de me l'avoir souhaité. Je sais que le Très-Haut va évidemment faire le contraire de ce que vous dites, puisque vous n'êtes pas lui. Sauf que ceux qui avaient essayé ça était justement en train de tester quelque chose à 6 mois des élections. Et donc, il fallait voir comment les uns et les autres allaient réagir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une mystification sur le démenti. Parce qu'il faut déjà aller voir pourquoi est-ce que le démenti, il était très facile de vérifier qu'il est encore en vie. C'est le président de la République quand même. Et c'est pas M. Kungwa, bon, c'est facile que je disparaisse au quartier. Ma femme ou mes enfants ou mon grand frère iront faire l'annonce à la radio. Ben, des amis sauront que je suis mort, mais qui saura que je suis mort là au carrefour? Mais le président de la République qui décède? Ben, attention, mais ça cessait de tout le monde tout de suite. Puisque même les représentations diplomatiques, les chancelleries, sont immédiatement informées du décès du président de la République, c'est comme ça que ça se passe. Et il était en terre étrangère. Voilà. Le protocole d'État mis en cas de décès, c'est un protocole impressionnant. Donc, en fait, il y a des individus qui sont d'ailleurs encore acteurs de la situation sociopolitique aujourd'hui, qui ont juste changé de visage parce qu'ils ont fait une mue. Ils sont devenus plus violents, plus agressifs. Ils ont d'ailleurs organisé plusieurs guerres plurielles contre l'État du Cameroun pour le saigner dans sa chair. Essayer de les mettre en difficulté sur le plan financier, toute chose qui retarde un ensemble de projets structurants qu'on a pensé parce que la sécurité coûtant très cher, pour répondre à mon frère Basson, qui continue aujourd'hui à jouer à ce jeu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus maladroit. C'était plus intelligent en 2004. Monsieur Kungwa, c'était plus fin. Vous allez me tromper si vous avez l'impression que les Camerounais sont toujours aussi naïfs et que vous pouvez toujours parler de victimisation sans que les gens ne réalisent que c'était une manipulation. Souffrez que je parle. Non, je vous interromps pas. Je veux juste vous dire que quand vous dites que des intelligences, des forces exogènes viennent au milieu du Cameroun à feu et à sang, ce n'est peut-être pas faux. Sauf que pour qu'on vous monte contre votre père, il faut que vous ayez de la rancœur contre votre père. Donc les Camerounais qu'on monte contre le Cameroun, c'est parce qu'ils ont affaire, mais ne l'oubliez pas. On n'est plus assez naïfs. C'est faux. Je vais vous faire la démonstration du contraire. Okay. C'est-à-dire que le Cameroun, en termes de ressources, n'est-ce pas, est un objet, entre guillemets, hyper convoité. Et l'oligarchie mondiale contrôle la structure du monde et son fonctionnement et a un degré d'intelligence et de construction des manipulations telles que on vous retourne contre vous-même, parce que c'est quand on vous retourne contre votre pays, on vous retourne contre vous-même en pensant que vous l'avez pensé de vous-même. C'est-à-dire que, arrêtons, je n'ai pas dit que le Cameroun est un paradis. Hein. D'accord. Je n'ai pas dit que le Cameroun est un paradis, que tout va bien. Encore que nulle part. Je n'ai pas dit que le Cameroun est un paradis. Nul paradis. Je suis en train d'expliquer que ici, je suis en train de vous faire la démonstration que dans les combats de conquête de pouvoir, ayant étudié la structure, ayant pris le président de la République comme quelqu'un qui est magnifié par et dans son pouvoir, il faut jouer à l'aide désacralisée pour essayer de créer le doute dans l'esprit de ceux qui le suivent, essayer de voir les réactions des uns et des autres, et essayer d'exploiter les failles. C'est exactement ce qui s'est passé. On a compris. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que cela se répète plusieurs fois avant 2025,
Parce que ça s'est répété plusieurs fois entre 2018, 2019 et 2020, ouais. N'est-ce pas? Et ceux qui le faisaient entre 2018, 2019, 2020 ne sont que le prolongement des acteurs qui ont pensé ça en 2004. Combien de fois on a entendu l'expression « vacances de fête » ? Bonjour à vous, c'est Mayouni Majoua depuis Bolova. Ils ne doivent pas divorcer. Voilà mon conseil. Je leur donne ce conseil. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Ça veut dire que c'était pour la dénonciation du jour. Bonjour à vous sur le plateau. Pour la thématique du jour, c'est tout d'abord remercier le bon Dieu de nous avoir donné un homme choisi par lui. Merci Seigneur de nous avoir donné Paul Biya. Il a encore 20 ans. Merci. Ça va énerver, monsieur. C'est Ramatou de Bafia qui nous écrit maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit, Ramatou? Merci pour cette thématique. Vraiment, ne cherchez pas le problème à notre papa. il est important pour nous. Si vous ne voyez pas son importance, merci. Merci à vous, Ramatou de Bafia. Merci. On a d'autres réactions aussi dans le canal WhatsApp que nous devons prendre. Ça sera le cas tout à l'heure. On revient sur le plateau avec vous, Mathieu. Quand on parle cette réaction et de ce que disent les Camerounais aujourd'hui à ce sujet, on peut bien peut-être comprendre que là, c'était une façon pour le chef de l'État de dire « je suis encore là pour longtemps ». Mais certains se posent la question, notamment Bernardo se dit « c'est de 2004 à 2023, il ne voit pas véritablement ce qui s'est passé ». Il y a quand même... Une évolution que le Cameroun aurait connue. Je parle sous le conditionnel. C'est de ça qu'on parle. À un an, justement, des 20 ans ici donnés par le chef de l'État. Bernardo, lui, il est allé plus loin. Il a dit que ces 20 ans pour lui, c'était 20 ans de souffrance de plus. C'est ce qu'il a dit. Enfin, exactement. Le dire ici, bon, voici un opposant qui est un élu. Je ne pense pas que lui peut être aussi péremptoire. Dire que de 2004, à 2023, comme ça, il n'y a pas eu la moindre évolution du Cameroun. Je dis que c'est quelque chose qui relève du mystique. Ce sont mes propos, ça. C'est quelque chose qui relève du mystique. Et je dis encore, il y a une preuve. Les faits s'appliquent à tout le monde. Nous tous ici, nous avons vécu 2004. Le sentiment qui traverse le Cameroun en 2004 est un sentiment de peur. Quand il dit, on instrumentalise un enfant contre son père parce qu'il y a la haine. Nous tous, on a connu comment quand Fidel Castro décède. Comment le peuple est? Le peuple est en émoi, le peuple est en joie. Or, quand la rumeur traverse l'État du Cameroun, c'est la peur, c'est la stupeur, c'est l'angoisse. Ce n'est pas le sentiment d'un peuple qui vient de perdre quelqu'un qui va le libérer. Que non! C'est le sentiment d'un peuple qui vient de perdre un repère fondamental. C'est clair! Ça veut dire que quoi? La perte envisagée du président de la République en 2004, c'était quelque chose de catastrophique pour le Cameroun et non une aubaine. Du coup, quand il descend de l'avion, en initié, je le répète, tel qu'il dit, et il annonce que ceux qui attendent cela attendaient dans une bonne vingtaine d'années. Je le dis pour dire à quoi M. Kumukui, il avait raison. Il s'adressait à deux types de personnes. Il rassurait le peuple camerounais et il s'adressait à ses adversaires politiques. Et c'est encore d'autant plus vérifié. Nous le savons tous, nous avons vécu les fameuses élections de 2018. Combien de fois on a parlé de la vacance de fait? Et chaque fois que vous souhaitez du mal à quelqu'un, ça se retourne contre vous. Est-ce que vous savez que depuis que les fameuses thèses de la vacance de fer ont été annoncées, chaque fois que le 20 mai a eu lieu au Cameroun, les audiences ont débordé par rapport au précédent? Pourquoi? Parce qu'ils ont installé dans l'imagerie populaire que le président n'est plus là. Donc le 20 mai est une occasion pour quoi? De voir si le président est effectivement là. Du coup, ça donne plus d'importance au 20 mai qu'avant. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et je continue à dire, et ça, c'est peut-être pour... Vous allez permettre... D'accord, merci. Le discours politique n'est pas de nature à m'émouvoir, moi. Il arrive des moments où on parle de fait. Une habitude on parle de fait. Peut sembler choquante pour quelqu'un. Ouais. Ça veut dire, lorsqu'on a baigné dans un système, sembler voir ce système-là s'évanouir peut créer en nous une forme de peur, une forme d'inquiétude. Mais ce n'est pas son avis ou l'avis du PCRN qui détermine l'avis de tous les Camerounais. Il faudrait qu'on sonde la majorité à l'effet de savoir si jamais une telle perte ou un tel gain
est bénéficiaire, elle permet pour nous être bénéficiaire. Vous étiez joyeux, vous étiez avec moi, vous parlez donc de vous. De moi. Vous, quel était votre sentiment, vous intentieux. Allez discuter avec tous les Camerounais, ils vous diront. Ça, c'est le premier point. Moi, j'étais relativement jeune. Je n'avais pas la mesure de certaines choses. Oui, mais oui. Des personnes, des aînés, des certaines qui avaient vécu, auraient pu mieux nous dire ce que elles ont à ce moment-là, c'est ces personnes. Mais sont pour nous-mêmes plein aînés. Maintenant, quand vous dites j'ai dit qu'au Cameroun, il n'y a rien eu en 20 ans. Je ne l'ai pas dit. J'ai juste dit que j'ai le sentiment que on nous a juste dit, vous avez encore un bon moment de souffrance. Parce qu'aujourd'hui, entre ce moment-là et le Cameroun présent, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la vie chère, sur le plan des salaires, il y a tellement de choses qui sont liquéfiées que on ne peut pas se complaire. Je ne pourrais jamais souhaiter la mort de quelqu'un, quel que soit même mon pire ennemi. Ouais. Ça veut dire que je ne pense même pas à l'idée qu'il soit vivant ou mort. Je pense juste à ce que le Cameroun dans son ensemble se porte mieux. D'accord. Et depuis 20 ans, le Cameroun ne se porte pas mieux. Le dire, c'est mentir. Okay. Non, moi je vais rapidement dire quelque chose comme ça à la porte-pièce. En 2004, on en avait 11 universités d'État. On en a 11. J'allais même dire 11 et demi parce que les gens oublient que Yaoundé 2 est une université bilingue. Donc il y a en réalité deux universités et demi qui sont dédiées à la zone. Je vous arrête tout de suite. Le rapport entre la mise en place d'une éducation, sa mise sur pied, n'est pas fondée sur la quantité mais sur la qualité. C'est votre grille d'analyse, n'est-ce pas? C'est votre grille d'analyse. Les étudiants qu'il y avait au Cameroun à cette époque-là et ceux qu'il y a aujourd'hui, les qui sont les plus compétents, les meilleurs, les plus futiles, les plus outillés pour le Cameroun de demain. Ceux d'avant, ceux de maintenant. Mais arrêtez avec ça, soyez pas démagogue. En 2004, c'est très sérieux. Hein. Je sais que en 2004, ici ne passe pas. Je sais qu'en 2004, encore que vous connaissez ma spécificité, peut-être vous ne la connaissez pas. Moi, quand j'ai été élu, je n'étais pas dans le RDPC. Donc vous connaissez que je connais la droite et la gauche. Lorsque donc, je c'est ma spécificité. À l'essentiel. Donc ce que je veux dire et ce qui est indéniable, ce sont les faits. Indéniable pourquoi? Ce sont les faits. Et je continue à rappeler ici. Il ne m'a pas cité un seul nom. Il ne m'a pas produit une seule preuve qui démontrait qu'il y avait une seule personne en émoi au Cameroun du fait de l'annonce de la rumeur de la disparition du président de la République. Ça veut dire quelque chose de fondamental. Lorsque dans votre discours, vous dites que les adversaires vous mentent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très compliqué. Parce que vous voulez mentir sur un plateau qui est sérieux, ce n'est pas bien. C'est très compliqué. Vous allez permettre. Il n'y a pas d'adversaire politique. C'est ce que vous voulez dire. Alors, quand vous dites que personne n'était en émoi, cela, qu'est-ce qu'on dira d'eux? Mais arrêtez, monsieur. On revient vers vous, docteur Niobe, quand on a justement cette thématique qui nous rappelle quand même que le chef de l'État, il est encore là, mais d'un côté, on pense que c'est comme si on a fait du surplace, mais de l'autre, il y a quand même des faits qui sont là et qui sont palpables. On a voulu citer la création des universités, la mise en place du Conseil constitutionnel, par exemple, l'unification de la codification des textes sur la décentralisation. On avait les 7 CCM, c'est quand même 19 ans. Aujourd'hui, il y a une seule université. Il y a des avancées, c'est d'une nation qui a. Il y en a des avancées. Moi, je pense que Bernardo Basson vous a dit clairement que nous avons fait 19 ans en. Dans le en reculant, c'est-à-dire qu'on est allé dans moins l'infini. Ah bon? Oui. Et nous sommes en 2004, le président est réélu, avec des leitmotivs moraux, des grandes ambitions. Et nous sommes allés en 2011 avec les grandes réalisations. Où sont ces réalisations? Nous avons plutôt vu les grandes arrestations. Et le premier ministre en son temps, une nommée femme. On a ambition, on réalise. Beaucoup de ministres en son temps en prison. Et ça crée des opportunités. En 2004, nous étions encore dans la limitation des mandats. On est venu sauter ces verrous en 2008. Et quand vous êtes dans ce genre d'événements constitutionnels. Est-ce que c'est la vision, on avance ou bien on recule? Je vous parle de moins l'infini. Alors, opération Épervier, 2 ans plus tard, 2006. Il me reste seulement 3 minutes. Hein. Lui-même a constaté, parce qu'il y a eu un congrès, la même année, du RDPC, où lui-même a constaté qu'il y avait des voleurs au col blanc. Et il avait promis à ceux-là que faites très attention, je vais sévir. Et en 2006, il a lancé l'opération Épervier. Nous avons au moins
premier ministre, les secrétaires généraux à la présidence, tous sont là-bas en prison et il ne peut pas avoir d'avancée en ce moment. Je dois vous dire que, faisons très attention au Cameroun, lorsque un individu est supérieur aux institutions, on a eu beaucoup de cas dans d'autres pays où si il faut rester le président de la République est au-dessus des institutions, la problématique de son décès doit créer une panique. Parce que aussi longtemps qu'on fait l'approche empirique, nous nous retrouvons sur des cas où il y a eu la guerre après. Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny. L'ensemble a compté en Guinée-Conakry. Togo, avec Yadema. Tous ces pays où le président était très puissant au-dessus des institutions, dès qu'il décède, sans avoir bien structuré la constitution par rapport à sa succession, nous sommes dans la guerre. Donc, il était normal qu'en 2004, il y ait panique dans le Cameroun. Merci. Voilà. Je préfère conclure comme ça. Par vous, Ferdinand Kungu, vous avez juste 30 secondes. Le chrono est en marche. Comment je fais pour dire tout ce que je dois dire en 30 secondes? Je sais que vous... Je voudrais rappeler à mes deux copanalistes, Basson et docteur, que c'est un processus de la vie. On est ambitieux. On met ses ambitions en pratique, donc c'est les réalisations. Et les réalisations créent des opportunités. Dans la gestion d'un État comme le nôtre, les grandes ambitions, c'était penser ce qu'on veut faire parce qu'on était en train de se libérer d'un ensemble de contraintes. Essayer de mettre en pratique ce qu'on nous voulons faire, les réalisations. On a lancé les grands chantiers structurants, les barrages, pour essayer de booster notre énergie, essayer d'aller booster notre... Les éléphants blancs, oui. Non. Où sont ces barrages? C'est ce que je parle. Pour essayer de booster notre énergie, pour essayer de booster notre tissu industriel, ça allait booster notre économie. Sauf que vous verrez que parallèlement, c'est en ce moment-là que vous êtes retrouvé avec un ensemble de conflits armés larvés. Et ça, c'est des techniques d'épuisement. La grande excuse. Non. La grande excuse. Souffrez que je parle. Ça, c'est des techniques d'épuisement d'un État. Parce que les ressources de l'État, parce que la sécurité coûte cher. Maintenant, quand on revient au président de la République, il y a l'évolution du Cameroun. On ne peut pas dire entre 2004 et 2023 qu'on est à reculer, qu'on est allé dans le néant. Merci. Parce que si vous prenez secteur par secteur, partant de 0 à 2, vous verrez qu'on a fait 2 pas. Merci, Ferdinand Kungu. Ou 3 pas. 10 secondes, Bernardo. Paul Biya est un grand homme qui a beaucoup travaillé. Il est temps pour lui d'aller se reposer, de laisser d'autres personnes. Le choix ne dépend pas de vous. Merci. Le choix ne dépend pas de vous. Moi, je veux d'abord vous remercier. Votre émission, véritablement, je la découvre très, très, très attrayante, très spectaculaire avec de bons traducteurs. Oui. Mais ce que je vais rappeler à mon très cher grand frère Basson, le repos de Paul Biya ne dépend pas de lui, ça dépend de l'ensemble des Camerounais. J'ai signé LMT. Merci. Bonjour, Espace Miné, y compris votre panel. C'est Dieu qui nous a envoyé son Excellence Paul Biya, le vrai patriarche. Ce pays est encore debout parce qu'il est là. Dès lors qu'il ne sera plus là, prions énormément pour rester debout après. Que Dieu l'ajoute encore 30 ans, si possible, et en santé de roche. Paix, monsieur le président du Cameroun, écorcier depuis le Nord. Paix à tous les Camerounais. Merci également à vous, très cher. Il y a une panoplie de messages, je l'ai dit depuis, on ne peut malheureusement pas lire tous ces messages. Le temps me revient seulement de vous dire merci, John Nyombe, d'avoir usé de tout ce qu'il y a dans votre agenda, de poser cela de côté pour répondre favorablement à notre invitation ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci pour le travail que vous abattez, Bernard Basson. Et ça, je le dis, c'est aussi la voix de ceux qui vous ont suivi pendant toute cette semaine que je dois vous le transmettre en direct. Merci pour le travail abattu. Merci également pour votre disponibilité, Ferdinand Kungu. Pour ce jour, nous aimerons vous avoir peut-être la semaine prochaine encore pour d'autres thématiques. Vous êtes à Douala, c'est un peu difficile, mais notre souhait, c'est de vous avoir
pour d'autres raisons aussi, dans le cadre de l'émission Espace Libre. Je fais la promesse à vos téléspectateurs. Dès que vous m'appelez, même si je suis en Gaoundéré, je viens. Merci infiniment, voilà qui me rassure. À vous, mesdames et messieurs, merci pour la fidélité accordée à votre chaîne de proximité et du vivre ensemble. C'est Info TV. On a été ensemble tout au long de cette semaine. Ça sera le cas pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.